Bonjour. Alors, il paraît que des parents paniquent. Ouais, parce qu'ils s'aperçoivent, ils constatent que leur enfant a un ami imaginaire. Et dans sa chambre, il parle avec lui, tout ça. Mais rassurez-vous, il n'y a rien d'étrange, rien de grave. Il paraît que c'est tout à fait normal, ça peut arriver. C'est pas mauvais du tout pour eux, puisque ça fait travailler justement leur imaginaire. Et puis, ça peut le rassurer, voilà. Il discute dans sa chambre avec lui, ça a inventé un copain, un petit frère. Voilà. Et en plus, quand vous allez chez Quick, pas besoin d'acheter deux portions, une seule suffit, ça vous coûtera pas de pognon. Ce qu'il est imaginaire. Hein, excusez-moi. Ouais. Bah, dis-leur. Ah, mais oui, c'est vrai qu'ils peuvent pas le voir. C'est... Oui, parce que... Je t'explique, parce que... Non, attends. Parce que...